La présence de Dieu peut te donner ce que les hommes ne peuvent jamais te donner. Mais pasteur, quelle différence faites-vous entre présence de Dieu et manifestation de Dieu? Papa, Dieu, quand il a besoin de toi, il peut utiliser n'importe qui. Manifestation, c'est la conséquence de rester dans la présence de Dieu. Émission Bonissa. Promotion visibilité des serviteurs et des servantes de Dieu. Annonce de force et lutte. Interaction entre péché et brebis de passer la parole de Dieu. Connaissance approfondie de la doctrine chrétienne. Tomisa, c'est une émission de Kazaria. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos écrans, devant vos moniteurs et en direct au www.kazarema.fr pour suivre cette émission Tobongisa. Cette émission, c'est une conception du frère Blaise Manzambi, concis dans l'idée de rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé. Parce que cette émission a été conçue pour vous et par vous. C'est un cadre permanent d'échange entre les hommes de Dieu afin que nous puissions préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi, au travers de cette émission, nous traitons de tous les sujets liés à controverse, des sujets à polémique, afin que l'Église de Dieu soit rétablie. Pourquoi l'Église de Dieu doit être rétablie? Parce que c'est vrai que l'Antichrist est en train de faire son œuvre. Actuellement, au sein de l'Église, l'abomination de la désolation a pris sa place. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous, en tant que des évangéliques, nous sommes dans l'obligation de lancer l'évangile de Christ afin que toutes les nations puissent le recevoir comme étant Seigneur et comme étant Sauveur. C'est pourquoi, dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Jacques Fungunu. Le pasteur Jacques Fungunu est pasteur responsable de l'Église Mejir, qui signifie mission évangélique Jésus règne, qui se trouve sur l'avenue Abbé Kaosé dans la commune de Kitambo. D'ailleurs, je m'en vais présenter mes salutations au pasteur Jacques. Bonjour, pasteur Jacques. Bonjour, DG. Pasteur Jacques, j'aimerais que vous puissiez donner au peuple de Dieu votre curriculum vitae, qu'il puisse entrer en contact avec vous, qu'il sache qui est réellement le pasteur Jacques Fungunu. Merci, je vous dis un grand merci de m'avoir accepté de parler dans cette émission, cette grande émission de Kazarema, et avec le PDG Blaise Manzambi, que je salue en passant, que Dieu bénisse pour cette grande réalisation. Le pasteur Jacques, c'est un serviteur de Dieu, un outil que Dieu a utilise, un outil que Dieu a ramassé du néant, afin qu'il soit un canal pour la bénédiction des hommes de Dieu et la bénédiction de son peuple. Le pasteur Jacques, dès son bas âge, il était déjà dans l'œuvre du Seigneur. Et dès son passage, ceux qui me connaissent, ceux qui sont en Europe en train d'étudier dans les universités, ceux qui ont même fini me connaissent très bien. Et quand nous étions sur les campus universitaires, nous avons eu à servir Dieu dans les EBI, qui est les groupes bibliques universitaires. À qui je fis le berger de l'Inikin. Je fis le berger de l'Inikin. Aujourd'hui, dans l'ère actuelle, je suis ami. Le pasteur Jacques a été, après ça, formé par l'apôtre Guédoné Nzengu de la cité des réfuges, qui est mon père spirituel, que je salue aussi. Donc, il est marié à Mama Ernst. Beaucoup de gens me connaissent en Europe par les clips auxquels je chante avec ma femme sur la chanson Moya Polé. Les gens me voient beaucoup quand je regarde Kazarema, je vois surtout ces images sur Kazarema et que je bénis encore le frère Blaise Manzambi. Moïna yo ya polé, ngengi sa pour moi, na lingi na zala wa yo, elembona mokili. Nous voici, nous sommes aujourd'hui les signes de Dieu et partout nous passons donner au peuple l'idée de ce que Dieu a déposé en nous. C'est un peu ça, qui c'est lui qui est le pasteur Jacques Fou.
Effectivement, cher téléspectateur, c'est ça le pasteur Jacques Fungunu, qui est aussi chantre en son temps, mais il est berger, il est pasteur, c'est-à-dire c'est lui qui paie le peuple de Dieu. Avec vous, pasteur Jacques Fungunu, nous allons échanger sur un thème important, Amen. Portant sur la présence de Dieu. D'emblée, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'est la présence de Dieu pour vous. Vous savez, monsieur le DZ, il n'y a pas quelque chose de spécial dans la vie chrétienne si ce n'est que la présence de Dieu. Effectivement. Vous devez savoir ça. Dans le monde d'esprit ou dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle l'initiation. Vous voyez, quand vous alliez sur le occultisme, on parle de l'initiation à l'occultisme. Même dans la vie sociale aussi, il y a l'initiation. Même dans la vie sociale, pour entrer dans un commerce, on doit vous initier. Même pour vivre dans un palais royal, vous devez être initié. Même pour assumer une responsabilité politique, dans les pays européens, on arrive à former. Quand vous allez même en France, il y a ce qu'on appelle ENA. École nationale d'administration. On arrive à former les gens. Vous voyez. Et dans la vie chrétienne aussi, on doit être formé, on doit être initié. Dans la présence de Dieu, pour qu'on arrive à vivre l'héritage de Dieu, l'homme chrétien, l'homme qui est sauvé, doit être initié. Et l'initiation ne peut que se faire dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement par présence de Dieu? Est-ce que la présence de Dieu, selon certains, c'est le fait d'être toujours en prière, ou la présence de Dieu, c'est la manifestation de Dieu en vous? Non, la présence de Dieu, premièrement, c'est la rencontre avec Dieu. Comment elle s'est fait cette rencontre avec Dieu? Vous savez, Dieu? Quand Moïse avait reçu son appel, il part dans le mont d'Horeb, comme ça il rencontre Dieu. On ne peut jamais servir Dieu sans pour autant les connaître, sans pour autant les rencontrer. Est-ce que, quand vous parlez de rencontrer Dieu, c'est une expérience personnelle du type Moïse dans les monts Horeb, du type Saoul dans les chemins de Damas, ou du type Pierre sur le lac de Tibériade? Voilà, vous êtes arrivé. La rencontre avec Dieu peut se faire à plusieurs manières. Ça peut se faire comme le cas de Moïse, le cas de Saoul qui s'est transformé à Paul. Ça peut se faire aussi dans les camps de Joseph. Tu vois, Joseph, il était dans sa maison, dans la maison de son père, Sako. La nuit, Dieu vient, il est part. Mais la rencontre avec Dieu, c'est une expérience personnelle. Mais c'est là à plusieurs aspects. Mais quels sont ces certains aspects? Voilà, ce que vous venez de citer. Il y a certaines rencontres qui peuvent se faire dans le monde d'Orient. Il y a certaines rencontres qui peuvent se faire. La présence de Dieu, la rencontre avec Dieu peut se faire aussi par une histoire quelconque, une occasion qui se présente dans une campagne. Vous rencontrez Dieu, cette présence peut se faire. Ça peut se faire d'un moment particulier, vous êtes en train de traverser des moments difficiles, Dieu vient et vous parle. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc par là, qu'est-ce qu'il avait dit? Cela avait dit que Dieu peut se révéler d'une manière particulière dans la vie de chacun de nous. La manière dont il peut se révéler dans la vie de Dieu, moi, je n'en sais pas. Mais est-ce que, s'il vous plaît, pasteur Jacques, est-ce que le problème, c'est que Dieu se révèle à ses enfants? Mais le problème, ce n'est pas plutôt nous. Est-ce que les hommes comprennent toujours le langage de Dieu? C'est ça le problème. Les hommes ne comprennent souvent, ils ont les difficultés, les hommes, de comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi? Pourquoi cette surdité, si on peut l'appeler ainsi? Parce que les gens ne laissent pas ses oreilles à écouter Dieu. Vous verrez l'histoire de Samuel. Samuel, lorsqu'il était avec le sacrificateur, Isaïe. Dieu appelle Samuel. Il appelle à plusieurs fois, mais Samuel ne comprenait pas. Il ne comprenait pas le langage de Dieu. Il a fallu maintenant les sacrificateurs disent à Samuel, cette fois-ci, quand il va t'appeler, dit, mais voici ton serviteur. Vous voyez, les gens ont du mal à croire. C'est pourquoi le peuple de Dieu est sourd. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Mais comment, par rapport à cet appel, comment il se fait souvent, la plupart des cas? Par exemple, vous, comment avez-vous reçu cet appel de Dieu? Vous savez, moi, de formation, je suis licencié en sciences politiques et administratives. Mais quand Dieu m'aurait appelé,
ça s'est manifesté par les signes. Je reçois que j'étais musicien, j'étais en centre d'une musique mondaine. J'étais ce Viva la musique à ce papa Wemba. Nous, nous avions commencé avec la nouvelle écriture. Mais soudain, j'arrive sur les campus. Il s'est passé un problème. Dieu m'a coincé au mur tellement qu'il avait besoin de moi, que je sois un canal pour son peuple. Il m'a coincé sur le mur. J'avais un problème très sérieux. Très sérieux. Déjà, je n'arrivais pas à me mettre comme ça sur la chaise. Mais je dis, comment moi qui souffrais comme ça avec l'hémorroïde, comment je peux faire la musique et continuer comme ça? Dieu m'aurait coincé de manière qu'il me pousse à les rencontrer. Et je vous dis, tout à coup, quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, une semaine après, la maladie était partie. Non seulement la maladie était partie, je vous dis, mais il y a eu des miracles que moi-même Dieu m'a utilisé qui se faisaient spontanément. Donc, je suis allé, je prie pour un homme qui était, une femme qui était sidatique sur les campus. Je bénis le frère Roger Kaka, là où il est en Allemagne. Si monsieur, on était ensemble avec lui, avec un sidatique. Nous allons préparer déjà les bois de cône, on devait l'enterrer. J'arrive sur place, on nous dit on doit prier. On nous montre là où c'était cette femme sidatique. Et vous n'avez même pas eu peur? J'avais pas eu peur. Vous voyez le premier, c'est là qui dévore les oui, oui. Du premier. Quand vous avez. Mais c'était hésite quand même. Quelqu'un qui a les VIH. Non. À ce moment, je pouvais te prier pendant 5 heures du temps. J'étais fou de Dieu. Non seulement parce que j'étais dans la musique, je suis venu en Christ. Avant même de venir à la musique, je sentais déjà pour Christ. Dieu m'utilisait, je m'en souviens, à l'âge de 10 ans, je sentais les mamans pleurer. J'étais encore protestant. Dans les églises protestantes, dans l'église traditionnelle. Là. Donc c'était déjà le préalable, ce qui montrait que plus Dieu tard. Dieu me préparait oui. Déjà dans les grandes choses. Donc il ne me voulait pas. Je m'en souviens, à l'âge de 14 ans, vers chez nous, Jamaïque, là, il y avait de sang. En cours, maman m'envoie d'aller acheter les légumes, je commençais à presser. Mais moi, je ne savais pas qu'un jour, Dieu va m'y dire. Donc Dieu t'avait déjà mis des prérequis, oui, pour te préparer davantage. J'arrive là, la femme était là, nous entrons ensemble. Nous prions Dieu, la gloire était descendue. Tellement on sortait de la présence. Vous savez, quand nous parlons de la présence de Dieu peut te donner ce que les hommes ne peuvent jamais te donner. La présence de Dieu peut te faire que ce qui est incapable, que tu deviennes capable. Vous êtes là devant la femme qui souffrait de VIH. La médecine sur le campus. Oui, surtout qu'on est pratiquement à côté des cliniques universitaires. À côté des cliniques, on a dit c'est impossible. Avec sa petite tête, elle était déjà maigre. Donc elle est pratiquement rachitique avec toutes les côtes. Mourante. Nous venons, nous avons dit, Seigneur, le premier miracle, il faut que cette femme parle. Parce qu'elle ne parlait plus. La femme commence directement à parler. Ce n'était pas une manière aussi de vous rassurer? C'était une manière de nous rassurer que nous marchons avec Dieu. C'est ça. Comme parce que quand la vie chrétienne, c'est une vie d'assurance. C'est un film qu'on connaît l'aboutissement. Tel que je suis, je connais l'aboutissement. C'est pas où le film où l'acteur meurt à la fin. Hein? Non, c'est pas le film. L'acteur. Dieu sait que même si il y a des coups bas, mais ce qui est vrai, toi, tu y es l'acteur principal, tu dois remporter. C'est pourquoi je dis à ma femme, tôt ou tard, même si on peut traverser les moments les plus difficiles, les plus atroces, mais tellement que nous restons dans la présence de Dieu, ça va aller. Donc vous avez déjà compris la présence de Dieu pendant cette époque. La femme vous regarde, vous êtes déjà rassuré. Le fait qu'elle ait déjà pris la parole. Nous sommes arrivés là-bas. Elle ne parlait pas bousbé. Nous avons prié Dieu. Nous avons dit Dieu, le premier miracle, il faut que cette femme. Les autres fuiront à votre place. Non. Alors j'avais un frère qui était très zélé plus que moi. Très zélé, le frère Rochon. Il était là, on priait. Bonjour. Elle commence à parler. Quand elle parlait comme ça, il dit, tu peux recevoir Christ, il reçoit Christ. On fait la prière de repentance. On prie Dieu. On a pris l'huile, on l'a oigné comme la Bible dit. Si quelqu'un est malade, vous le oignez d'huile. On a pris l'huile, donc on l'a oigné. On n'a pas hyper, nous sommes partis. Papa, une semaine, c'était trop. La santé qui dégringolait commençait à se restaurer. Commençait à se rétablir. Ça ne vous a pas poussé des ailes? Non, ça, c'est la famille là qui voulait nous faire de Dieu.
Mais nous sommes des petits dieux. C'est vrai, nous sommes des petits dieux. Comme le cas de Paul. Ah, oui, oui. Dans l'île de Malte. Oui. Donc, nous sommes des petits dieux. Mais la famille voulait faire de nous des dieux. Parce que quand, après 2-3 semaines, la femme commençait à se rétablir, ils sont allés à la clinique université avec le résultat clinique. Le sida n'était plus. Le docteur va lui rappeler, non, reviens dans une semaine. Il revient dans une semaine. Pour révérifier. Révérifier. Il n'y avait plus rien. Je vous dis, à ce moment-là, la vie était difficile pour nous, les étudiants, mais la famille a mené les paniers des histoires. Oui, c'est comme pratiquement Paul et Barnabas à Philippe, je crois. Ouais, ouais, ouais. On voulait même sacrifier des vaches pour eux. Ah, mais nous nous sommes dit après un temps, non, ça c'est de trop. Nous ne pouvons prendre la place de Dieu. Et comment ça continuait? Je suis descendu chez mon oncle Ngaba, parce que Campus Ngaba, c'est ton oui, proche. C'est. Oui. J'arrive, il y avait ma nièce. Ma cousine qui était devenue folle. Folle. J'arrive sur place, elle vient comme ça, je dis stop-toi. Au nom de Jésus-Christ, stop-toi. Et c'est stoppé. Moi, je la prends. Elle était tombée. J'ai prié pour elle. Papa, je vous dis, j'avais du zèle terrible. Mais comment vivez-vous tout ça? Dieu fait des miracles au travers de vous. Pourtant, vous n'êtes pas encore. C'était une manière de me récupérer, de me dire le monde ne t'appartient pas. Le monde ne t'appartient pas. Donc là, la gloire de vivre à la musique à côté? Non, là, directement. Vous savez ce qui s'est passé? On jouait Ngoma Africa. Je suis allé en Ngoma Africa. À mon retour, je rentrais. Vive à la musique, à la nouvelle écriture. Préparer un album, Jancy, qu'on a chanté comme ça. Oui, oui. On préparait ça. À mon retour, un juriste qui m'accompagnait dans son véhicule pour l'université me dit, non, mon jeune frère. Papa, Dieu, quand il a besoin de toi, il peut utiliser n'importe qui. Oh! Il me dit, non. Un juriste qui a cessé d'être avocat pour parler. Qui n'est pas chrétien, mais il m'exhorte dans son véhicule. Il dit, non, toi, il faut que toi, tu sers Dieu. Ça m'a étonné. Je descends à la maison, la même réaction. Mon père dit, non, on doit voyager. Le papa dit, non, pas toi. Une autre personne. En passant, je dirais, je suis le grand frère d'un musicien qu'ils en connaissent, Eric Mente. Il était dans les histoires de Jibé Académie. Je suis son grand frère. Il vient juste après. Vous voyez que hein, c'est masque qui descend. Oui, je comprends. Vous avez une descente musicale. Je lui ai formé. Mais papa dit, pas toi. Ah, papa, je dois voyager, je dois. Quand j'arriverai en Europe, je vais fuir. Je dis, non. Oh, Dieu avait besoin de moi. Donc pour certaines personnes, ça aurait paru comme une malédiction. Comment se fait-il que je vais aller en Europe, là où tout le monde a envie, mais mon père refuse? Ah, or, actuellement, je bénis Dieu pour la décision de mon père. Parce que quand je vois les gens avec qui nous étions, ils menaient leur vie, je dis, Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, parce que la vie des musiciens, on connaît aussi. C'est tous les musiciens profanes. Oui. Je suis très flatté. Et d'avoir aussi une femme qui sente bien. Et moi-même, je l'accompagne, je l'oriente. Et Dieu continue à nous inspirer. Ça nous fait du bien. C'est-à-dire l'initiation, donner les enseignements possibles à l'homme. De comprendre quel est ce Dieu qu'il prie. Quelles sont ses caractéristiques. Quel est le caractère. Quelle est la vie chrétienne qu'on doit mener. Oui, les attributs de Dieu et tout ça. La vie chrétienne n'est pas, comme je dis toujours, n'est pas le slogan. La vie chrétienne, c'est une vie. Donc c'est quelque chose qu'on mène quotidiennement. Quotidiennement, une vie, un comportement. Vous savez, on appelait les gens chrétiens comment? C'est parce qu'ils étaient mis à part. Parce qu'ils ont vu Christ, les reflets de Christ en eux. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui, on voit les reflets de Christ en nous? Mais c'est ça le problème. Même dans notre pays, les gens prient beaucoup, les gens vont à l'église beaucoup, mais ne comprennent pas. Pourquoi la gloire de Dieu? C'est comme si la gloire de Dieu y était volée. C'est comme si on a volé l'arche. L'arche était partie. Il y a eu Kabod dans les églises. Il y a l'habitude, l'accoutumance qui se crée dans les églises. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas quel Dieu nous prions. Mais à quel moment il va agir? N'est-ce pas que l'église aujourd'hui est devenue plus formaliste? C'est-à-dire dans sa forme. L'église est restée dans la forme que dans les fonds. C'est comme si le Shekinah. Gloire au Seigneur. La gloire n'est vous plus. Vous me raisonnez. C'est ça. La gloire n'est plus à l'église. Les gens commencent à fondre. Vous verrez, quelqu'un plaira à l'église. C'est vrai. L'homme de Dieu peut amener la présence de Dieu. Parce que celui qui peut amener la présence de Dieu, c'est celui qui est dans la présence de Dieu. Moi, je crois que parfois, c'est un effet aussi psychologique pour ça. Non. Celui qui amène la présence de Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu. Pour que nous entrions ici, il a fallu que vous entrez ici, il a fallu que nous connaissions la maison et qu'on vous fasse entrer dans la maison. Effectivement. Celui qui doit amener le peuple de Dieu en Dieu,
chez Dieu, c'est celui qui reste avec Dieu. L'homme de Dieu peut venir, mais vous verrez quelqu'un qui était hier à l'hôtel, pleurait, pleurait ça à l'église, tombait. Ils ont pris, ils tombent. Dieu va les bénir. Non, Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un féticien. Dieu, c'est un Dieu de principe. Sa divinité est caractérisée et tributaire à ses principes. Pour hériter l'héritage de l'Éternel, il faut rester dans ses principes. Parce que sans ses principes, vous n'en arriverez pas. Pasteur Jacques, cette remarque, aujourd'hui, c'est comme si Dieu a été réduit dans son... comment je peux qualifier ça? Il est réduit pratiquement dans le rôle d'une divinité. Comme par exemple les divinités romaines, divinité d'argent, divinité des devins, divinité d'amour. C'est-à-dire, quand quelqu'un a besoin d'amour, il évoque la divinité d'amour. Pourquoi cette réduction de Dieu, au lieu de voir sa grandeur, aujourd'hui, on a plus tendance à voir Dieu comme un petit Dieu? Ça, je vous dis, vous avez raison. Moi, ça m'écœure. Ça m'écœure. Je dis à ma femme, je ne suis pas complexé. Je ne suis pas complexé de voir quelqu'un être élevé. Le problème, c'est le problème de la montre. Vous savez, l'horloge telle qu'il est là, une heure ne peut pas envier 3 heures. 3 heures ne peut pas envier 5 heures. Parce que chaque heure a plus son temps. Chaque heure a plus sa fonction. Oui. Mais même aussi, la preuve, la nature doit nous enseigner. Quand vous avez un avocatier, vous avez un manguier, chacun donne son fruit à sa saison. Mais Dieu aujourd'hui, il est réduit. Oh, Dieu, c'est un tout. Dieu, c'est un tout. Dieu englobe le tout. Parce qu'il contrôle ce qui est invisible et ce qui est visible. Dieu contrôle même ceux qui sont en franc-maçon. Dieu contrôle même ceux qui sont sur le Rotary Club. Dieu les contrôle. On était dans la première étape par rapport à la manière dont il faut entrer dans la présence de Dieu. Vous avez parlé de l'initiation. Donc il fallait des enseignements. Des enseignements. Selon vous. Mais après l'initiation, maintenant, on est pratiquement dans quelle étape? Et quand l'homme est initié, il commence, il fait maintenant une histoire, une expérience personnelle avec Dieu. C'est de cette expérience dont on vient de parler que vous avez pratiquement fait. Ouais, il commence à avoir l'expérience particulière avec Dieu. C'est comme David. David, quand il était dans la forêt, Dieu est en train de l'initier. Il commençait à l'initier. Parce que Dieu le préparait déjà à la bergerie qui était Israël. Dieu le préparait déjà à paître le troupeau de son père. Oui, ce qui représentait, ce qui préfigurait Israël. Israël. Il commence à préparer. Et Dieu, tellement qu'il exerçait sa main dans le combat, et ce doit à la bataille, Dieu l'a mis en épreuve avec Goliath. Vous voyez, regarde la réponse de David devant Saoul. Il dit quoi, Saoul? Ton serviteur, lorsqu'il était dans... Vous voyez? Non, il s'est refait. Quelqu'un déjà qui était oui, dans initié son passé, oui. Dans son passé. Vous verrez les enfants de Dieu, pourquoi aujourd'hui il y a ballotage à l'église? Il y a un vent, les gens suivent celui-ci, il amène les gens, là-bas on met de l'huile, là-bas on purge les gens quand... Non, là-bas, non, surtout les pros. J'aime la prophétie, mais ne faisons pas de prophètes comme si aujourd'hui il y a trop de mensonges. Trop de mensonges. Pourquoi? Parce que vous avez aussi promis des choses aux gens. Après, ils ne voient rien. Vous avez donné des témoignages. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que les gens ont remarqué dans la plupart des pasteurs, des faux témoignages. C'est ça le problème. C'est pourquoi je dis, moi, quand je parle de l'évangile, je parle de Christ. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand je prêche aux enfants de Dieu partout, je passe même sur les étudiants, je dis n'attendez pas quand vous entrez en Christ, vous avez tout directement. Non. Mais quelle est la place maintenant de l'épreuve pour être dans la présence de Dieu? Parce que vous avez parlé de l'épreuve de David devant Goliath. La place de l'épreuve de Dieu dans la présence de Dieu rassure d'abord. Vous savez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous avez l'assurance. Même devant l'épreuve. Devant l'épreuve. Mais pourquoi certains ne tiennent pas devant les épreuves? Certains ne tiennent pas dans l'esprit, vous revenez. C'est parce qu'ils n'ont pas un fondement. Ils n'ont pas un fondement biblique. Ils ne comprennent pas qui ils servent. Ils n'ont pas le respect sur le principe de Dieu. Alors, c'est comment observer la parole? La Bible dit, très tôt matin, Jésus se réveille pour aller prier. Jésus zénait quand il était encore avec ses disciples. Il n'envoyait pas les disciples dans le zénait. Lui-même zénait. Alors, c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ce qui n'est pas le cas. Les serviteurs envoient des fidèles jeunes. Lui-même, il amasse. Vous avez dit aux gens de ne pas prendre la bière. Aujourd'hui, vous prenez des vins. Bon, ça je ne suis pas jugé. Mais nous sommes dans la maison de Dieu. Je condamne le clientélisme chrétien, le fanatisme chrétien.
vous verrez un pasteur qui est dans les fosses. C'est ce qui est vrai, le roi de Dieu ne peut pas le toucher. David devant Saoul. Saoul, on avait arrasé déjà l'onction royale. Mais David ne pouvait pas toucher parce qu'il a dit, je ne peux pas toucher au roi de Dieu. C'est vrai, on ne peut pas toucher au roi de Dieu. Mais ils doivent quand même être des exemplaires. Je dis à ma femme, si on doit faire la musique pour la gloire, que la gloire nous revienne, donc je préfère pour le védétariat, vaut mieux cesser. Mais nous le faisons parce que Dieu nous a dit que ta musique va bénir, va aller aux extrémités du monde et cela nous inspire. Je dis à ma femme, si c'est pour le védétariat, je préfère que t'arrêter et de faire les ménages. Mais si tu dois le faire pour la gloire de Dieu, pour que le peuple soit béni, je dis gloire au Seigneur. J'en profite aussi pour saluer Maman Erde qui nous suit exactement à ces moments précis. Amen. Ainsi que les enfants. Amen. 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 Donc, vous avez parlé de l'initiation. Oui, oui. Vous avez parlé maintenant, il faut entrer dans la vie chrétienne. Vous avez parlé aussi de l'épreuve. Mm. Mais dans la fin de toutes choses, il y a quoi? Il y a la gloire. Est-ce que cette gloire, c'est toujours des choses matérielles ou quand vous parlez de la gloire, c'est la gloire à venir? Le matériel n'est qu'un surcroît. Ça doit nous suivre. Est-ce que c'est nécessaire pour nous? Il y a des choses qui doivent nous accompagner pour combler certains besoins. Vous voyez un peu, ce genre de véhicule, comme ma femme aujourd'hui, que Dieu touche quelqu'un là où il est, quand il va suivre. Même à vous, Papa Blaise Manzambi, à notre producteur, Papa Prosper, quand les envoient ma femme parfois, nous arrivons au magasin, tellement nous attendons une taxi. Maman, aide-toi à pied. Oui. Or, un véhicule pouvait nous accompagner par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Voici aussi cette opportunité pour lancer un appel à ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Les gens qui sont sérieux. Aujourd'hui, oui, parce qu'ils soutiennent des musiciens païens qui ont des véhicules. Vous soutenez les musiciens païens et vous soutenez les faux. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme si les faux se font voir parce qu'ils ont des moyens. Mais nous qui avons la parole, la vraie, qui doit ramener le peuple de Dieu. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, si je vais aller à gauche, son bâton. Et ça roulait, me racine. Mais racine. Donc ça me ramène. Me ramène. Nous qui avons des bâtons pour ramener le peuple de Dieu afin de vivre la vraie gloire. Parfois, nous manquons de choses. Effectivement. C'est pourquoi je dis à un frère, à une maman qui est toussée en Europe, et que Dieu te fera grâce, toi et ta famille. Si tu nous envoies un véhicule, ça nous fera du bien. Maman, va rouler bien, moi, en famille. J'irai même à Kinko le presser. J'irai même à Bao Congo presser l'évangile de Dieu. Et même dans nos prochains albums, vous serez bénis avec ça. Effectivement, même dans les prochains albums, le peuple de Dieu sera béni. Voici ce message qui a été lancé par le pasteur Jacques Fungunu, avec qui nous échangeons sur ce thème important sur la présence de Dieu. Nous allons marquer une pause avec la régie. Trésor Melenga Tresipo ainsi que Charlie Kanga vont nous proposer ces très beaux clips de Maman Erde et nous allons revenir tout de suite après pour en finir avec cette émission d'aujourd'hui. Yo
exclusivité, tapez www.casarema.fr. De retour sur ce plateau de l'émission Tobongisa, je suis avec le pasteur Jacques Fungunu, avec qui nous échangeons sur la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quelque chose de très important. La présence de Dieu, c'est ce qui va nous amener à la gloire. La présence de Dieu, c'est ce qui va nous amener à subir les épreuves avec endurance, à subir les épreuves avec condescence. Mais pasteur Jacques, quelle différence faites-vous entre présence de Dieu et manifestation de Dieu? La présence de Dieu, c'est lorsqu'on reste longtemps. La manifestation, c'est la conséquence de rester dans la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, actuellement, ça pose problème. Pour certains, la présence de Dieu est liée plus à la prière, tandis que pour d'autres, c'est à la vie de sanctification. Comment vous faites le parallélisme entre les deux? Le parallélisme, en principe, il n'y a pas le parallélisme. Il y a plus cohabitation. Oh oui. Parce que la sanctification, c'est la clé de toute chose. La sanctification, c'est une clé passe-partout. Un homme qui se sanctifie, il attend tôt ou tard vivre la gloire de Dieu. Vivre le royaume. Vivre le royaume, c'est-à-dire entrer dans la plénitude de l'héritage que l'Éternel a arrêté pour lui. Mais en parlant de cet héritage, aujourd'hui aussi c'est ambigu. Pour certains, vous leur dites que l'héritage c'est pratiquement terrestre, en leur promettant les mariages, en leur promettant des voyages, en leur promettant beaucoup de travail, des promotions. Non, papa, je ne sais pas ambigu. Ça, ce sont des choses que Dieu a dit à Pierre. Pierre a dit, nous avions laissé les pèses, nous avons laissé nos familles, nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons gagner? Vous savez, le monde de Dieu, c'est un monde d'intérêt. Dieu ne pouvait pas sacrifier son fils, venir si bas, sans pour autant, pour rien, non. Il savait qu'à l'homme, il avait l'intérêt. Tu savais l'intérêt de Dieu chez l'homme, c'était quoi? C'était quoi l'intérêt? L'adoration. De Dieu? Donc Dieu n'avait besoin de l'adoration. Dieu avait fait que ses peuples l'adorent, n'adorent pas les diables. C'est pourquoi il devait payer les prix là. Donc il s'est sacrifié lui-même pour ça. Il s'est sacrifié lui-même pour récupérer l'homme à son adoration. Et qu'est-ce que Dieu a visé à l'homme? C'est l'intérêt. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand nous servons Dieu, j'ai abandonné tout, je sers Dieu, j'adore l'Éternel, je donne au peuple ce qu'il a besoin. C'est à l'intérêt de Dieu. Comme le matin, si j'étais dans une famille païenne bénie, ils m'ont appelé pour aller prier, j'ai prié là-bas. Ils veulent me donner l'enveloppe, je dis, gloire au Seigneur, mais je dois aller faire quelque chose de Dieu. Attends, je dis, je suis venu faire l'œuvre. Mais quand Dieu voit ça comme ça, les gens qui sont convertis à sa gloire, ça lui bénit. Après, vous avez quand même pris l'enveloppe. Non, l'enveloppe, j'attends, si ça vient, je vais dire gloire au Seigneur. Mais si ça ne vient pas, moi, je fais la mission de Dieu. Mais il semble que pour certains, vous monnayez maintenant ces dons gratuits que Dieu vous a donnés. Vous savez, c'est ça le mal de l'église. J'ai béni ma femme quand il passait l'émission, elle a dit une chose de très importante. Désolé, quand Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin que tu forces les choses. Il n'a pas besoin de monnayer. Mais on sentait par exemple là, quand vous avez parlé de vos débits, on sentait que vous ne forcez pas. Un fou arrive comme ça, vous lui dites stop, au nom de Jésus, sois guéri, la personne était guérie. Mais aujourd'hui, on vous voit jeter des costumes par terre, faire des incantations. On ne sait même pas des gesticulations comme des stèles pratiquement. J'ai dit ceci. Il y a un fait, les gens n'ont pas la connaissance de ce Dieu. Mais qu'est-ce qui empêche maintenant que les gens soient dans la présence de Dieu? Ce qui empêche que les gens soient de la présence de Dieu, c'est plus les besoins matériels. Les gens veulent là, c'est temps. Quand j'arrive, je suis pasteur, les gens me voient rouler carrosse, les gens me voient avec une grande maison, ils veulent avoir des costumes, des vraies costumes. Papa, si l'Éternel te cite, je te bénis, il dit cherchez premièrement le royaume. Entrez d'abord dans sa présence. Cherchez son intérêt. Quand vous cherchez l'intérêt de Dieu, le reste vous sera donné. C'est comme ça que je parlais d'ambiguïté d'ailleurs, pasteur. C'est ça. Quand vous avez parlé du centuple, parce que c'est vous le pasteur, vous promettez aux gens, vous aurez ceci, venez vous aurez cela, venez vous aurez ceci. Après les gens constatent qu'il n'y a rien. Ah, vous arrivez maintenant, vous savez pourquoi? Les gens constatent qu'il n'y a rien. Vous revenez sur mon départ. J'ai dit, les hommes ne sont pas initiés. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie d'initiation. C'est pas quelqu'un qui est dans le PC. Pour voir plus de vidéos chrétiennes,
chrétien en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons les grands rois. Un support DVD avec une plèbe de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyobozela qui Pona, ba papa, ba maman, bana, mpeli, bota, mobimba, yangoy. Ngonge Betty, adorons l'éternel, adorons le grand roi, avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaie des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama pona bana pe li bota mobimba pe na ba fête nyonso bolingaka album ya kitoko yangoyo ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu, adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Élevez-vous, peuple de Dieu, que le roi des rois fasse son nom. C'est le roi de gloire. Pindayo. Malo sako bambote jambo yeno eka na bisabino ke mokonze sala pindai d'ici là l'album entre des jours ya frère John Kandolo et ozala déjà partout dans le monde mais à complicité na Casarema comment album na bino et ozala déjà d'ici là bongisa ba kisangala na bino tala na moi compte na yo bien bongisa déjà réservé déjà l'Angleterre mobimba dans nos vies partout aux États-Unis tout comme ça là qui s'engala pour mon conti ça la pindai album na bino entre des jours akokota na kanana ngai mboka ya promesse réservé déjà mbongo na yo pour somba CD pour participer na musala nzambe na ebisi bino la quatre album mon conti ça la pindai kandai bien aimé dans le Seigneur. Yes, il a la grâce. Il a l'esprit dans sa musique. Amen. Gonzala Pindaye. Ala Pindayo. Akoti kangamo umute. Ala Pindayo. Zambe ya sala ngolu. Parce que lobby est zayo. Tala le frère Marius Numbuma zongi les soussoyer pas na bino. Bien aimé bondi ma boyamba album oyo. Tu es capable. Nangolo Nzambe album oyo bordel cause la mingi. À Paris, na Belgique, na Hollande, na Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Tu es capable. Batumi balé bazobé la maladie moko, basa na hôpital moko. Médecin moko zo traité bango nyonso mi balé, mais moko a koufi moko a biki. Ezaka ngolo. Ningi na lobby boye baki na lobby ya moto moto a ebité to ba limité matimbala oyo bana na Nzambe nyonso ya mokili mo bana biki bozolo ndangana. www.casarema.fr Bala auto lobby Nzambaza roulage. Donc je reviens encore sur vous pasteur Jacques Fongonou. Nous sommes arrivés au moment où vous avez parlé de l'initiation. Vous avez parlé de l'entrée maintenant dans la vie chrétienne ainsi que les épreuves. Pendant tout ce temps-là, il se déroule, c'est tout un processus. Ouais. Parce que vous avez dit que ce processus devait nous amener exactement à la gloire. Mmh. Mais qu'en est-il? Pourquoi les autres ne sont pas dans la présence de Dieu?
Mais c'est un problème. Quand quelqu'un vient en crise, il se croit c'est vraiment dans la facilité. Vous croyez que certains ont manqué soit l'appel, soit l'expérience avec Dieu? Non, le départ a été mauvais. Comment? Il y a des faux croyants, c'est-à-dire des gens qui ont très mal accepté Christ ou qui n'ont pas fait la repentance comme qui il faut. Qui ont été mal initiés en Christ. Qui ont été très mal initiés en Christ. Vous verrez une sœur venir à l'église après des indices. Nassambeli Pemingi Nalembi. Un frère qui vient à l'église, il dit, la Bible dit, dans l'ère du Zex, quand il marchait dans le désert, la tenue et l'alimentation ne manquaient pas aux enfants d'Israël. Pourtant, c'était dans le désert. C'était dans le désert. Et nous, ici, on est en ville. Pour vous dire, même quand tu es dans l'école de Dieu, Dieu ne te laissera pas. Donc, il ne prend pas le minimum. Il te laisse le minimum quand même. Il te donne le minimum. Il sait qu'à ce moment. Déjà, vous savez, à ce moment ici, si Dieu me donnait 200 000 $, parfois je n'allais pas être ici dans cette émission. Parfois je devais être en Chine. Mais Dieu sait à quand est-ce qu'il me donnera 200 000 $. Peut-être parce que vous avez parlé de la montre tantôt. C'est ça. Il semble que on soit par exemple une heure dans votre montre. Peut-être qu'il y a la bénédiction venait à 2 heures. À 2 heures. Donc Dieu sait. La Bible dit en Dieu, mon Dieu se croit comme un palmier. C'est-à-dire pour que un palmier arrive à donner son fruit et à donner le vent, il faudra qu'on lui arrive à donner la taille, la vraie taille. On lui donne la forme jusqu'à ce qu'il va donner les fruits. Mais quand quelqu'un a déjà raté l'appel, il a déjà raté la repentance, pour cette personne, pourtant il a une très longue expérience au sein de l'église, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse maintenant? Non, le problème c'est ce que je t'ai dit, les bases, les fondements. Il a manqué ces fondements-là. C'est ce qu'il a manqué, c'est pourquoi on doit revenir sur le vrai. Donnez-nous les opportunités telles que vous l'avez donné aujourd'hui, de parler au peuple de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de la facilité, c'est une vie simple lorsqu'on applique les principes divins. Et lorsqu'on applique les principes de Dieu, on arrivera. Je dis à ma femme, rassure-toi. Tout ce que Dieu, parce que ma foi, quand j'entre dans la présence de Dieu, je dors, je sors, je ferme les yeux, je vois toujours la lumière devant moi. Mais il semble que vous ne voyez pas, vous les pasteurs, vous ne voyez pas les ténèbres, vous ne voyez que la lumière, vous ne voyez que des bénédictions, vous ne voyez que des grandes choses. Non, c'est parce que je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Papa, quand je prie pour vous, Dieu me révèle ce qui ne va pas chez vous. Moi, je ne marche pas les mots. Même à ma femme. Donc, c'est pourquoi êtes les plus riches à l'église, vous êtes les mieux habillés. Votre femme, c'est la plus belle, c'est la mieux habillée. Vous savez, pourquoi les hommes de Dieu sont bénis? Pourquoi? Que je lance un appel. Quelqu'un peut être tout seul. Il m'envoie une veste. Mais l'église s'appauvrit. Non, moi, j'investis dans l'église. À vous, vous devez être un cas unique parce que l'église s'appauvrit. L'image de la bénédiction à l'église, les pasteurs pris comme unité de mesure et non les fidèles. Là, vous avez raison. Le problème en est que nous devons initier nos peuples à comment arriver à certaines choses. Même les former. Vous savez, dans les églises anglophones, il y a un essor important. Il y a un développement important parce que quand les serviteurs sont bénis, ils mettent à la disposition de ses peuples. Ils créent les unités de production en fait que ce peuple soit béni. Moi, mon leadership, je le fais plus comme les Anglais. Même les enfants avec qui je travaille, même les enfants que je travaille dans l'équipe des mamans, c'est comme ça avec moi. Quand il y a 50, je dis, vous prenez 30, vous donnez-nous 20. Parce que dans les 20, là, je dois contribuer à l'œuvre du Seigneur. Ils me connaissent. C'est pourquoi il y a certains qui ont fait avec moi 7 ans. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Mais par rapport à la bénédiction, papa, je pense, les consorts que maman a lancés, qu'on venait de jouer, j'ai investi l'argent, tout ce que j'avais. Tout. Et quand vous organisez un concert, attendez-vous comme c'est une fête de mariage. Effectivement, ne vous attendez toujours. Il ne faut pas s'attendre que je serai bourré d'argent. Non. On l'a fait pour, comme Dieu avait dit de le faire, je l'ai fait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la présence de Dieu? C'est ça notre question capitale. Capitale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la présence de Dieu? D'abord, il faut qu'on comprenne devant qui je suis et quel est ce Dieu que j'ai pris. Vous savez, même sur le musulman, vous m'excuserez beaucoup, ces gens ont une discipline plus que les chrétiens. Les chrétiens, ce sont les sauts, ils ont un Dieu grand, puissant, au-dessus de tout, créateur de toutes choses. Mais c'est comme si nous ne comprenons pas. On les prend à la légère. N'est-ce pas que parce que notre Dieu est tellement démocrate? Non, c'est pas que les gens se comportent à libertinage. C'est à nous, les serviteurs de Dieu,
Nous devons enseigner à ce peuple, non seulement sur le bien matériel, mais nous devons enseigner la Bible. Nous devons enseigner qu'est-ce qui a fait que nos patriarches soient grands. Qu'est-ce qui ont fait que les disciples soient grands. Qu'est-ce qui ont fait que de Isaac, de Jacob, d'Abraham soient grands. Qu'est-ce qui ont fait que Moïse soit grand. On doit enseigner ça au peuple de Dieu. C'était le peuple, c'était des hommes qui aimaient la présence de Dieu, qui ne badinaient pas. Vous verrez un chrétien qui prie pendant 5 minutes, ils sont fatigués. Dieu connaît. Même pendant la modération, il n'arrive pas à s'élever. Il est là fatigué. Depuis qu'il était assis sur la chaise. J'étais quelque part avec maman, on adorait. Les gens sont assis. Et je dis, est-ce que ce peuple comprenne au moins le mystère qui est caché dans l'adoration? Vous savez, déjà, je vais te dire quelque chose. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Dieu ne siège pas dans les combats spirituels. Dieu ne siège pas dans la repentance. Dieu ne siège pas dans les prières de délivrance, non. Vous savez, vous dites la même chose que Maman Chabani. Elle m'a déjà dit ça. Il vous a déjà dit ça. Elle m'a dit ceci, la prière d'adoration, où l'adoration est plus que les combats. Vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. Moi, ma femme au début me disait, Jacques, toi tu connais les combats que nous avons. Quand tu entends les prières la nuit qu'on prie avec elle, il dit, Jacques, tu aimes ces mal. J'ai dit, quand la présence de Dieu nous affecte, les combats tombent de soi-même. Les combats tombent. Donc la présence de Dieu, c'est l'absence même du combat. Dieu sait oublier les louanges et de l'adoration. Prenons par exemple, tu es en ville, il y a un président d'un orchestre qui passe, le chef de l'essai dit, président, yo ça danse, yo boye. Il est prêt à faire sortir de l'argent. Il fait l'argent, il sort. Imagine-toi maintenant, c'est grand. Mais il est en train de passer ses victoires, vous descendez, combat avec lui. Mais quand vous êtes avec Dieu, Seigneur, tu es le seul à ton sang. Il n'y a pas d'autre comme toi. Là, c'est dans la présence de Dieu que tu lui dis ça. Mais c'est ça même la présence de Dieu. Rencontrer le cœur de Dieu. Tu es là, tu es en extase. Tu dis des choses que tu ne comprends même pas. Dites votre dernier mot par rapport à ceux qui ne sont pas dans cette présence. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour être dans la présence de Dieu? Je dirais aux gens, l'église ne doit être fondée dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Ne vous tergiversez pas. Aimez la présence de Dieu. Priez. Restez dans la présence. Tout ce que vous avez comme besoin. Ayez la discipline de marcher dans les principes de Dieu. Vous verrez, ça va s'ouvrir de soi-même. Vous n'aurez pas à forcer. La Bible dit, j'ordonnerai la bénédiction de vous suivre. Il n'a pas dit que la bénédiction. Vous devez suivre. Aujourd'hui, il y a un défaut dans l'église. Les gens commencent à suivre la bénédiction. La bénédiction doit nous suivre lorsqu'on reste dans la présence de Dieu. La Bible dit, Isaac priait instamment pour sa femme, qui était Rebecca, stérile. Mais Dieu l'a dit, c'est elle qui fera la progéniture. C'est elle avec qui la bénédiction, la postérité du monde viendra. Mais stérile. Mais pour y arriver, il a fallu la présence de Dieu. La présence de Dieu peut te donner ce que tu n'as jamais pensé. La présence de Dieu peut décanter une histoire que toi tu ne savais pas. Comme la présence de Dieu que je restais, ça décantait Kazaré m'a devenu. Je ne suis pas venu chez le Dieu. Il a fallu qu'un canal se passe. Oui, oui, c'est effectivement, c'est ça. Et Kazaré m'est venu. La présence de Dieu, de même aujourd'hui, je n'ai pas besoin de forcer les véhicules. Je n'ai pas besoin de forcer les robes. Les robes viendra. Je n'ai pas besoin de forcer la bénédiction, mais la présence de Dieu. Parce que Dieu dira que cet homme a touché mon cœur. Mais pour ceux qui voudront avoir vos coordonnées, soit pour une prière, soit pour une interview, soit pour un avis, soit pour un commentaire. Gloire au Seigneur. Ainsi que quelques salutations. Ah, salutations. Je salue tout d'abord ici à Kinshasa le pasteur Pierre Makolo. Avec toute son équipe, c'est vraiment un partenaire, c'est vraiment un parent pour moi. Et je salue tous les bien-aimés qui nous ont acceptés, qui ont accepté mon ministre, qui ont accepté le ministre de ma femme par les chansons, que Dieu les bénisse. En particulier en Europe, je salue les papas prospères. C'est vraiment un papa. Dieu te bénisse et que Dieu bénisse encore tes affaires, te bénisse encore ta famille. Je bénis Papa Blaise. Papa Blaise, nous sommes là et en collaboration avec Papa Prosper. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui me suivent en Europe, amis, tout en la bangona. Campus, tu évolues en Abangon, en Moussala, en Zambie, en Allemagne. Donc, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et mes contacts sont tels que de 09 97 57 29 43. Je réponds 09 97 57 29 43.
43. Vous pouvez appeler dans 082 19 26 681, 082 19 26 681. Si vous avez besoin de prier, comme certains ont prié avec nous, ils ont vu la main de Dieu là où ils étaient 19 ans, qui n'avaient pas de documents, mais notre Dieu, le Dieu des papas Jacques et des mamans Herbe, ont agi. Les autres, comment appartenaient même à l'Ibanda, que Dieu appelez-nous, nous allons vous soutenir dans vos moments les plus durs et les plus difficiles. Que Dieu bénisse, et Dieu bénisse toute l'équipe de Casarema qui était avec nous ici. Dieu bénisse en particulier les frères Blaise Manzambi pour le travail, ainsi que maman, pour le travail, toute la famille Manzambi, pour le travail que vous êtes en train de faire, de propulser l'évangile. Si vous avez besoin de moi, de revenir, parler d'autres sujets qui va vous intéresser, nous sommes disposés à le faire pour la gloire de Dieu, pour l'expansion de l'œuvre de Dieu et sauver les âmes de Dieu. Que Dieu bénisse. Merci d'avoir suivi cette émission Tobongisa. Cette émission, c'était conçu pour vous et par vous. C'est un cadre permanent d'échange entre les chrétiens en vue d'améliorer l'œuvre de Christ et de préparer l'épouse à la rencontre du Christ. À la caméra, c'était Yannick Wenge, Trésor Mbelenga Tracy Pro ainsi que Charlie Kanga étaient au montage. Je remercie toute la grande équipe de Casarema Kishasa, Noëlla ainsi que Pamela qui m'ont accompagné. Vraiment, je remercie aussi les PDG Blaise Manzambi ainsi que Maman Lise Manzambi, sans oublier Maman Prophétesse Grace Kalombo, Média Medina, Apôtre Fedor Buita, Prophète Samuel Panjou, Maman Blanche Toudilou, Mamine Ndombele, Maman Abbé Napenien Nalwanda, que Dieu vraiment vous bénisse. C'était votre humble serviteur. Consultez-nous au www.casarema.fr, grand site 80 fois la Belgique, 1 million de fois le Népal. Appelez-nous dans les numéros qui sont affichés dans les bas de vos écrans et nous sommes disposés pour vos commentaires et vos avis. Restez toujours branchés dans votre émission Tobongisa. Tobongisa, Tobongisa, Tobongisa. C'était votre humble serviteur, Bishop Fundu. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Parce que lobby est zayo. Dans le frère Marius Numbuma, zongi de soussoyer par un peu. Bien aimé, bon dit ma boy en bas, album Oyo. Tu es capable. Nangolo en Zambé, album Oyo, pour décoser la mingi à Paris. En Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Dieu est capable. Pas de mi-balé, maladie, mon corps. Pas en hôpital, mon corps. Médecin, mon corps, traité, bah, mon yon, mi-balé. Mais mon corps, koufi, mon corps, biki. Et ça, quand on est dans le lobby, il y a un lobby, y a moto, éviter de limiter, matin, bala, ou ban, en zambé, non, sur mon kibo, manabi, qui bozo, l'angana, www.casarema.fr. Bala, autre lobby, zambaza roulage. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyobozela qui Pona, ba papa, ba maman, bana, mpeli, bota, mobimba, yangoyo. Ngonge Betty, adorons l'éternel, adorons le grand roi, avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaie des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu, bénis les mariages. Ba papa pe ba mama pona bana pe li bota mobimba pe na ba fête nyonso bolingaka album ya kitoko yangoyo ba image pour tous.
Élevez-vous, peuple de Dieu. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. Sa bonté et sa fidélité nous garderont pour toujours. Inclinant nos âmes comme des genoux devant sa présence, retrouverons une faveur. Sa bonté et sa fidélité. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. Promotion à Paris chez Capem. Promotion pour les fêtes. Capem, Mukondi Agence. Capem, agence Yabananzam. Promotion chez Capem, Kozanga Tendeko. Yakamba na Capem, Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Donc, il y a 9h pour 10h pile. 10h pile, 10h 2 minutes, ma bimou dans la Kingo, c'est bon. Ah ouais, tout travers ma manière. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail capemparis-du6multimo@hotmail.fr. Casa de Marema, Casa de Marema.